s'appuie sur Daf. Avec Pito, gêné par Stromsta, c'est bien fait de la part de Pito. Le centre, la reprise et le but. Le but signé Santos. Sochaux qui ouvre la marque à la demi-heure de jeu. Et Bonal explose. Et ouverture du score logique parce que les intentions étaient sochaliennes dans ce début de rencontre. Ouais, des Sochaliens qui sont récompensés par un vrai bon début de match. Voilà, ils sont tranchants dans tout ce qu'ils font. Ils sont présents, ils prennent des risques. Pito, regardez, très haut. Et il prend des risques voilà, dans le duel. Il le gagne, le duel, l'application dans le centre. C'est ce qui faisait défaut aux Sochaliens depuis le début du match. La dernière passe, eh bien Pito met un remarquable ballon à Santos qui est judicieux dans son anticipation pour être le premier à reprendre ce ballon et ouvrir le score. Santos avait marqué avec la... Le corner, repoussé au premier poteau par Pito. L'intervention de balle. Nouvelle chance pour les Manceaux. Ce ballon dévié. Oh, attention avec la reprise et l'égalisation de Paolo André juste avant la pause. La joie d'Yves Bertucci contre le cours du jeu. Le Mans égalise un but partout. Ah, c'est dur. C'est dur pour Sochaux qui maîtrisait cette première période. Mais Sochaux rejoint donc juste avant la pause sur ce premier but de la saison en Ligue 1 de Paolo André qui relance le Mans, qui relance le suspense. Sochaux qui une nouvelle fois encaisse un but. Allez, Pito pour Jokic qui a un peu de champ. Bojan Jokic, le centre avec ce ballon qui traîne. Et le but, le deuxième but sochalien inscrit par Riyad Boudbouz. La fine fleur du centre de formation de Sochaux qui donne l'avantage de buts à 1. Et la joie de Francis Gillot qui, pour la petite histoire, n'a jamais vu Sochaux marquer 2 buts à Bonal depuis 10 mois. C'est fait, Sochaux qui reprend l'avantage. La jeunesse sochalienne au pouvoir.